Bienvenue à tous. 2021, mesdames, messieurs, pour un rendez-vous électoral sans doute exceptionnel au Bénin, à mes égards. Un code électoral presque sur mesure, un environnement politique atypique. Si beaucoup ont tout conclu à un boulevard devant Patrice Talon pour un second mandat déjà suscité d'ailleurs à cor et à cri. Passé turiféraire, une candidature des plus inattendues semble progressivement se dresser sur son passage. Celle de l'universitaire, le constitutionnaliste de renom, Joël Aivor. Personnellement silencieux pour l'instant, bon nombre de médias l'annoncent comme l'une des têtes d'affiche de choix pour 2021. Présidentielle de 2021, Joël Aivor, une candidature sérieuse, élément d'appréciation au travers des analyses d'éditorialistes et d'essayistes. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Rémi Choubadé, journaliste, il est éditorialiste, l'homme a accepté de nous accompagner durant ces 45 minutes. Rémi Choubadé, bonjour. Oui, bonjour Joël. Merci de répondre à cette invitation. Tout le plaisir pour moi. Sachez-le, il est partagé. En face de vous, José Peso Anago, journaliste-analyste, il est le directeur de publication de La Dépêche, le quotidien béninois d'information et d'analyse. José Peso Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour téléspectateurs de SICA TV. Merci pour la disponibilité. Nous aurons, mesdames, messieurs, chers invités, à nos côtés, mais via Skype, depuis Bourgogne, au centre de la France, Anno-Éric Aguenounon, écrivain essayiste, il est analyste des questions sociopolitiques. Et c'est à ce titre qu'il nous accompagnera. Son grain de sel comptera beaucoup. Déjà en ligne, Anno-Éric Aguenounon, bonjour. Comment vous faites ? Joël, bonjour. Merci vraiment pour la disponibilité. C'est moi qui remercie SICA qui vient me rejoindre jusqu'en Bourgogne. Je remercie ce plateau que je connais et que maintenant je suis invité à ce même plateau de si loin. Merci. Je vous en prie, c'est plutôt un plaisir de vous savoir disponible en dépit des sollicitations qui sont les vôtres. On se retrouve dans quelques instants. Depuis quelques semaines, mesdames, messieurs, plus un seul jour, vous l'auriez constaté, sans que le nom de l'agrégé des facultés de droit et doyens de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, Frédéric Joël Aivor, ne vienne au devant de la scène. L'homme présent dans les médias l'est également ces temps-ci sur le terrain. Beaucoup y voient désormais un potentiel candidat pour 2021. Joël Aivor, candidat 2021, Rémi Choubadé, pourquoi ce lien qui de plus en plus se tisse? Non, la candidature, c'est un rendez-vous entre le peuple et l'individu, comme on le dit. Donc peut-être qu'il s'est senti prêt à aller vers le peuple béninois. Et comme vous l'avez dit, c'est pas seulement un phénomène médiatique, puisque sur le terrain. Et même dans le discours, hein, quand il dit dans 9 mois, ça va être la délivrance, quand il dit qu'il ne commence pas à souligner des perspectives, on sent très nettement que oui, l'homme a envie d'aller aux élections. Sauf que, comme vous avez dit, code électoral, sur mesure, etc., il y a beaucoup de trucs qui vont rentrer en ligne de compte. Et puis, vous n'oubliez pas que. Pour faire des candidatures, c'est beaucoup de millions également, hein, de caution, etc. Comment il finira par franchir ses obstacles pour être candidat? Bon, ça c'est une autre paire de manches. Sinon, la volonté est là. Il y a le timing, il y a la démarche sur le terrain. Et il ne fait l'homme d'aucun doute que, voilà. Et puis c'est pas la première fois, hein. Je crois en 2007 déjà, il avait été pressenti, on avait déjà annoncé sa candidature, et 2019 également pour les législatives, on l'avait annoncé qu'il allait être candidat à Porte-Nouveau sur la liste de l'opposition FCBESL, un truc de ce genre là. Bon, c'est vrai que les élections n'ont pas été ouvertes, donc c'est pas si cette perspective allait aller jusqu'à son thème. Donc, voilà, il est sur le terrain, et puis, oui, c'est une évidence, désormais. Ah bon, c'est une évidence. Tout à fait. Même si l'homme, officiellement, ne l'a pas dit lui-même. Oui, je dis dans sa posture. Hein. Sa posture, dans la posture, pour vous, il ne fait l'homme d'aucun doute que l'homme, il est face à son peuple. Il est face, hein, à son peuple. Et puis, voilà, il se met déjà en position, jugez-moi, c'est moi, Joël, voilà, je vous garantis que d'ici là, nous allons
tourner une page, etc. etc. Bah, écoutez, auparavant, on n'a même pas eu ce genre de démarche avant que les gens ne se pointent pour être candidat. Mais tout à fait. Ce ne sont pas des faits qu'on voit toujours, mais dans le cas d'espèce, comme vous le dites, il y a un certain nombre de faits qui peuvent motiver, attirer un certain nombre de conclusions. Alors, Georges Pézot, Anago, je me retourne vers vous. Presque pour la même question, Joël Aïvo, 2021, un lien forcément établi? Oui, cela se dessine. Bien que le personnage n'ait jusque-là proclamé sa candidature, mais à travers ses engagements, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, comme l'a souligné mon confrère tantôt, depuis quelques moments, on le voit très très actif sur le terrain, et cela s'est amplifié. Il y a quelques jours, cela s'est amplifié. Sinon, il y a plusieurs mois en arrière, Joël Aïvo n'a pas fermé la bouche pour être plus vulgaire, de façon chose triviale, je dirais. Et donc, il donnait de la voix. Régulièrement, il intervenait, il abordait les questions d'intérêt général. Et donc, chemin faisant, on se rend compte qu'il descend maintenant sur le terrain. Et donc, ce sont des faits qui ne trompent que rarement. Ou c'est lui, ou c'est quelqu'un qui n'est pas loin de lui. Donc, toujours est-il qu'il est très engagé, plus engagé que la plupart de ceux qu'on avait pressentis jusque-là. Alors, Monsieur Eric Aguenounon, vous nous suivez, la question, je vous la pose, mais autrement. Alors, Joël Aïvo, les premiers pas vers la Marina? Je pense qu'il est trop tôt pour parler de premiers pas parce que lui-même, il ne s'est pas encore prononcé. Même si il a commencé des tournées. Il faut le dire, la situation actuelle que nous vivons est une situation où il y a un silence politique et le terrain est quelque peu morose et morosé. Et donc, et en face de nous, il y a un bastion assez fort, assez puissant, avec plusieurs verrous. Et donc, vous avez des verrous idéologiques, un contexte où on dit que nous sommes en démocratie encore, on fonde la démocratie, mais en réalité, nous sommes dans une égocratie. En face de cette égocratie, on remarque des gens qui sont paralysés. Avec toutes les lois qui existent, il n'y a plus cette liberté d'expression, cette liberté de marcher et le contexte. Monsieur Eric Aguenounon, nous allons apprécier tout à l'heure le contexte, mais vous, vous pensez que ce sera trop tôt de signifier que déjà, eh ben, l'homme est en roue libre pour 2021. Apprécions un peu le profil avant d'apprécier un peu le contexte. Quand vous prenez l'homme, pensez-vous si il doit être porté comme candidat, c'est un profil convenable dans le contexte actuel. En cohérence avec mes idées, avec mes écrits, où je suis contre le messianisme politique et contre un personnage providentiel, et où je prône l'homme politique issu d'un terrain politique déjà enraciné, avec beaucoup de simplicité, d'humilité, et étant un homme de terrain, et je pense que le profil que nous avons, qui est ce profil-là que vous présentez, n'est pas le profil d'un homme politique au sens propre, d'un acteur politique, d'un leader politique, même s'il connaît la chose politique, même si il a été directeur de cabinet autrefois d'un président de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il lui manque des atouts du terrain, il lui manque des atouts relationnels avec le peuple, et je pense que d'ici là,
il va travailler à se faire connaître, il va travailler à rentrer dans l'opinion. Et je pense que c'est à partir de là, c'est à partir de cette première étape de travail, de terrain, de porte à porte, qu'on verra si réellement il a les ressorts. Mais pour l'instant, je ne peux pas me prononcer. Merci à vous, M. Eric Aguenon. Restez en notre compagnie. M. Arimi Choubade, oui, le profil de l'homme, c'est un homme qui devra s'amener de plus d'âmes politiques. Mais M. Joël Aivor, quand on parle politique, on ne peut pas dire franchement qu'il est si novice que ça. Oui, vous savez, dans ce genre d'aventure, je parle d'aventure, hein, parce que c'est à la fin qu'on va dire oui, c'est un stratège. Hein. Vous prenez par exemple l'actuel chef de l'État. Il n'a fait que 23% pour le tout. C'est le plus faible score d'un futur gagnant de la présidentielle. Et pourtant, on le prend pour génie, puisqu'à la fin, c'est lui qui a gagné. Si c'était l'autre qui avait gagné, c'est pour dire à mon ami Eric, par exemple, que nous ne sommes pas dans le cadre du déterminisme qu'on pourrait avoir en Bourgogne. Ici, nous sommes au Bénin, où tout change, tout fluctue à tout moment. Aujourd'hui, on ne sait même pas. Est-ce qu'on va me dire que c'est avec son salaire qui va rassembler 250 millions? Et donc, il y a par exemple le volet financement, je ne dirais pas mafieux, hein, qui va intervenir forcément. Il y aura d'autres milieux. Et n'oubliez pas que c'est une présidentielle dans la sous-région. Donc, ce n'est même plus une affaire bénino-béninois. Ça va forcément déboucher. N'oubliez pas que nous sommes même embarqués dans une géostratégie, géopolitique sous-régionale depuis quelques années. Hein. Et on ne connaît pas encore quelles sont les interférences de tous ces milieux-là. Sans oublier, c'est vrai, Joël, son parcours, il aura de la matière à revendre. Hein, avec Théo, je dirais, avec le diplomate, il est resté au palais pendant un moment, à la communication du président Kérékou. Il est parti faire ses études. On l'a vu réapparaître avec Rungwedi. Et donc, le milieu, on peut dire que c'est son milieu. Et n'oubliez pas qu'au début, on a commencé par soupçonner même un parti. Mais en réalité, Joël, c'est une sorte de repli identitaire. Il est de Porte-Nouveau. Et quand on voit que, bon, à Porte-Nouveau, il y a beaucoup de jeunes qui ne commencent pas à s'identifier à lui, on a dit ça y est, donc ça y est, c'est le parti influent de la région qui veut porter sa candidature, etc. Donc, il est le fils de quelqu'un, très populaire, très populeux à Porte-Nouveau, etc. Donc peut-être, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas dans le monde du déterminisme comme ailleurs. Bien, on va recoller les morceaux, il passe. Vous vous souvenez, Zessou, il est allé chercher des origines à Ouida, à Bomé, à Savalou, etc., etc., pour faire fils du pays, hein, à un moment donné. Hein. Et donc, voilà, on va surfer dans tout ce qu'on sait de toute l'hypocrisie. Hein, que nous connaissons dans le pays, et à la fin, et on verra ce que ça va donner. C'est vrai que ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont tendance... Et puis, bon, on parle souvent de silence politique. C'est pas, il n'y a pas de silence politique au Bénin, il y a un cynisme politique. Comment vous ça savez, c'est quoi l'alliance? Oui, vous savez que chaque jour, il y a des présidentiables qui sont à la cuillette, et qu'on condamne pas comment on appelle aujourd'hui Zissou à Aout, Komi à Aout, Adjavou à Aout, Séveré à Djoubi, etc. Donc, tous ceux-là, aujourd'hui, ne peuvent même plus prétendre être candidats si on devait considérer les choses en l'état. Comprenez. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus sur la voie et qui pourraient vraiment... Et puis c'est un projet politique. Le chef de l'État, quand il est venu au pouvoir, a dit, c'est la manière dont vous rendez... comment on appelle vos compétiteurs inaptes qui déterminent votre retour au pouvoir. Et il s'y est mis, le régime s'y est mis à détruire progressivement ou à les rendre inéligibles et tout. C'est un projet politique. Et nous en sommes là. Donc, quand même, vous recevez des gens sur le plateau, on dit, mais ceux-là, ils sont encore dans le pays au Bénin quand on les voit un peu la tendance de leur raisonnement, etc. Donc, nous ne sommes pas dans le silence. Chacun fait ce qu'il peut. Mais nous sommes dans un cynisme qui ne dit pas son nom, où les gars, pour rien du tout, sont prêts à vous envoyer en prison, à vous créer tous les problèmes du monde, ou à vous renvoyer du pays, comme on le voit tous les jours. Alors donc,
au profil, il faut toujours forcément ajouter l'environnement. On reviendra de façon spécifique sur la question d'environnement politique actuel, mais aussi judiciaire. Oui, Jospezo Anango, la question du profil de l'homme. Pour votre vis-à-vis, on n'est pas dans un déterminisme comme on pourrait l'observer ailleurs, donc tout est possible. Oui, évidemment. Et puis, lorsqu'on aborde ce genre de débat, moi, je me plais à m'interroger. Est-ce qu'il y a une école pour fabriquer des présidents de la République? Il n'y en a pas. Et donc, le Bénin, d'ailleurs, là, s'est illustré de façon remarquable dans ce compartiment, à savoir que le Bénin, depuis un peu même avant 1990, a fabriqué en griffe des présidents atypiques, de gens qui ne sont pas du sérail, si on veut qu'il y ait un sérail, qui ne sont pas du sérail, mais qui montent le podium. Et donc, si on repart de 90 à nos jours, Soglo n'était quand même pas un politique, que je sache. Le président Soglo, ben, il était juste un participant à la conférence nationale des forces vives de la nation. Et il est devenu président. Après lui, il y a eu Kérékou. On ne va pas me dire que Kérékou était un politique au départ. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire d'un politique? C'est-à-dire, on veut l'entendre de quelle façon? Et quand on laisse Kérékou, il y a Iboni. Un confrère a même écrit l'inconnu, l'intrus qui connaissait la maison. Et donc, c'est dire que Iboni n'avait rien de politique. Mais on l'a vu gravir les échelons de la marina. Est-ce qu'on me dira que Patrice Talon aussi, en venant, était politicien? Si c'est une fonction, je n'en connais pas le centre de gravité. Par contre, je dis, pour en venir au profil, je dis, non, mais il n'y a pas de profil à élaborer dans ce sens. Joël Aivor, s'il faut parler de profil, alors là, donc, il a le profil. Ah bon? Ah oui, bon, si on veut parler de profil. Mais si on doit parler de profil, vous trouvez qu'il l'a? Si je le compare à tous ceux qui sont devenus présidents, je ne voudrais pas dire qu'il est meilleur en termes d'appréciation, mais je dirais, et donc il a le profil. Puisque de tout ce que j'ai cité, il n'y a pas depuis 90, tout au moins, il n'y a pas quelqu'un qui soit sorti d'un sérail véritablement politique. Mais pourtant, on les a vus, président de la République. Et donc, quand on revient sur Joël Aivor, avec, mon confrère l'a dit, avec ce qu'on lui connaît de parcours, ben, contrairement aux autres, ben, lui, il est encore plus politique. Parce qu'il a flirté avec des politiques, contrairement à d'autres. Il est resté directeur de cabinet, c'est pas rien. C'est purement politique, ce genre de poste. Et bien donc, et d'autres, et on a cité Le Père, on a cité Albert Evoingeret. Et donc, lorsqu'on a fait ces écoles en griffe, on ne peut pas vous taxer de ne pas être politique. Maintenant, est-ce que c'est le politique qui est sur le terrain? Je dirais pas forcément, puisque là, il va... Il a rencontré les populations, il a rencontré la presse, il a rencontré les médias. Et le discours qu'il tient, ce n'est pas le discours d'un politicien pour l'heure. Le discours, ce n'est pas celui d'un politique pour l'heure. On va l'apprécier aussi, tout en revenant à la question de l'environnement politique actuel, l'environnement judiciaire aussi. Mais on va rallier rapidement notre invité de l'autre côté de Bourgogne. Oui, Monsieur Eric Aguenon, vous avez suivi un peu les panélistes par ici. Alors la question, c'est quand on regarde un peu dans le passé, pas si lointain du Bénin, on se rend compte que des échelons ont été gravis, pas de parfaits inconnus. Mais aujourd'hui, il y a comme d'autres balises à prendre en considération. Pour vous, en écoutant bien entendu les invités en plateau, pensez-vous qu'avec les nouvelles considérations, surtout de droit, on peut toujours arriver à avoir les mêmes résultats? Il y a quelques temps, quelques années, sur votre plateau, je disais que la loi ou le droit est à la fois la bête et l'ange. La bête qui dévore, la bête qui est carnivore et vorace. Donc, partant de cette image-là, à partir de la loi, dans notre pays, on a bouché tous les trous, toutes les échelles que des gens ont pris par le passé pour venir au pouvoir en tant que messianiste, en tant que personnel providentiel, ou encore en tant que un homme qui renaît, ou un homme
innocenté. Donc, avec ces paramètres-là, aujourd'hui, la carte politique est tout autre. Et cette carte politique nous montre qu'en face de nous, on a une forteresse, un bastion. Et je me demande avec quelle stratégie, avec quelle manœuvre, on peut déboulonner ces verrous. Alors, Parce que l'analyste quand que vous vous êtes, avez des à verrous l'analyste que aussi vous êtes, celui qui solides, a eu à voir beaucoup de aussi choses dites, raffinés, qu'est-ce qu'il faut la faire? forteresse est-elle imprenable? Mais quand vous voyez la question du parrainage, par exemple, mais c'est une question difficile. Autrefois, il y a une année, on a eu les élections législatives. Mais pour que cette élection puisse être à l'époque hein, une élection inclusive, il fallait s'asseoir et retoucher la loi. Cela n'a pas été fait. Mais tout récemment, pour les élus communaux et pour l'élection des maires, on l'a fait. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a un parlement, on a un pouvoir législatif qui peut légiférer en 24 heures. Dans ce contexte où tout est verrouillé, où est l'atmosphère, personne ne se prononce pour dire je suis candidat ou je veux telle ou telle chose. Et on a lancé un ballon d'essai pour dire, bon, il y aura une loi qui va dire que, bon, tous ceux qui vont donner leur quitus à tel ou tel candidat vont donner en symbiose, en synergie avec les présidents des partis. Alors, c'est à ce niveau qu'il peut y avoir un essoufflement. C'est à ce niveau qu'il peut y avoir une crise parce que ces acteurs-là peuvent ne pas obéir. Parce qu'il y a une différence entre éduquer et dresser. Actuellement, nous sommes dans un contexte où on dresse les gens par la loi. Mais le dressage n'est jamais l'éducation. Alors, n'est-ce pas une L'éducation, ouverture quand vous dites que le c'est... dressage n'est jamais un acquis? Mais Monsieur Éric on Aguenon? veut dresser les acteurs politiques par la loi. Même dans le camp présidentiel, dans le camp de la mouvance. Mais cela ne veut pas marcher. Il faut plutôt de l'éducation. L'éducation, c'est le dialogue. L'éducation, c'est l'écoute. Est-ce Mais quand possible on... d'aller encore au dialogue? On y reviendra. Merci, merci pour la contribution. Oui, Monsieur Arimi Choubadé, la question est de savoir, l'environnement actuel reste-t-il un environnement propice pour qu'un tel projet puisse, dans la durée, prospérer? Enfin, le projet énoncé clairement Bon, c'est vous qu'il qui faut dites éliminer. clairement. Oui, OK. nous sommes à la télévision, vous pouvez passer la vidéo où c'est clairement dit que pour se faire élire, ce n'est pas le bilan, que c'est la capacité à mettre tous les autres à sa solde. Hein, c'est bien souligné, deux traits. Le mot solde, il faut les mettre à sa solde ou les rendre non compétitifs. C'est un projet politique. Et chaque jour que Dieu fait, vous avez vu, il a même créé des juridictions pour ça, pour condamner. Je vous dis, vous prenez la dernière présidentielle, les trois premiers ou les quatre premiers, tous sont out. Parce que condamné, qui ne peut plus se représenter. Le premier est condamné, le troisième, c'est le deuxième qui a gagné l'élection, et ainsi de suite. Hein. Et tout le reste, tous ceux qui peuvent aujourd'hui avoir la possibilité de briguer le fauteuil présidentiel, c'est ceux qui sont enrôlés, hein, et qui sont soumis, comme on dit. Et vous savez, donc c'est un projet politique qui est en train d'être déroulé. Maintenant, tout dépend de la capacité des Béninois à faire sauter le verrou. Parce que nous sommes fatalement dans la confrontation. Fatalement. Vous avez vu, on a beau dire tout ce qu'on a voulu. Lors des législatives, vous avez vu ce qui s'est passé. Oui, on a tiré, on ne va pas répéter, on ne va pas se lasser de répéter. Hein? Et ça, c'est pour les législatives. Par rapport à la présidentielle, imaginez ce qui pourrait se passer. Nous sommes dans la logique de la confrontation. Bon, écoutez, tout à l'heure, mon ami Eric parlait de dialogue. Peut-être que les gens vont abandonner leur projet politique et accepter ouvrir le dialogue pour pouvoir faire abolir toutes ces lois qui nous créent des problèmes. Vous savez que, comment on appelle-t-on, l'apartheid, c'était porté par des lois.
et que Hitler aussi était assis sur des tests qui lui permettaient de faire ce qu'il faisait. Et donc, on ne peut pas nous enfermer dans le carcan de la loi, surtout que nous savons très bien. Vous avez vu, la dernière fois, c'est en plein processus qu'on est allé modifier la loi. C'est-à-dire qu'on est même sûr de rien. À tout moment, on peut décider de modifier les règles. À tout moment. Même là où on est là, on peut décider de réviser la Constitution d'ici demain, hein, sans que personne ne soit consulté. Enfin, que seulement les 83. Et puis, vous avez vu des choses extraordinaires depuis un an. Tout se fait à l'unanimité au Parlement. Je parle souvent de majorité parlementaire nord-coréenne. Il n'y a pas un seul débat là-bas où vous allez entendre des voix dissonantes. Ce n'est pas possible. Tout se vote à l'unanimité désormais. Alors... Et dans ces conditions, je ne vois pas quelqu'un comme Joël influencer les choses si on ne voit pas la confrontation. Monsieur Arimi Choubadé, oui, Joël Aivor, face à une forteresse, sans dire Eric Aguenon, sinon qu'il a clairement signifié, votre vis-à-vis lui souligne que cette forteresse est la résultante directe d'un projet clairement énoncé par qui doit, qui tient aujourd'hui les manettes, et dans un environnement comme celui-là, annoncer un projet comme celui qui s'annonce et que les médias évoquent au quotidien, c'est un projet plutôt très périlleux, à moins d'une confrontation. Et il y a deux petites choses auxquelles j'adhère. À moins qu'il n'y ait de confrontation, d'accord. Bon, périlleux, toute entreprise a son côté périlleux. Et même moi, je voudrais dire que je ne veux m'émouvoir guère. Je me dis que ce pays a une âme. Et il faudrait que ceux qui ont à charge la gestion de ce Bénin devraient quand même à chaque fois revisiter l'histoire pour se rendre compte de ce que aucun président n'a jamais été suffisamment fort pour être le plus fort au Bénin, au point, n'est-ce pas, d'asservir sur la durée ce peuple. Si on parle de forteresse, je ne vois pas de forteresse parce que tout est une question de rapport de force. Je ne suis pas un locuteur fond, mais je dirais que le président, comme le dit le camp doit pouvoir s'adosser à quelqu'un, comme le disent le fond. Donc, c'est dire donc que le président a forcément besoin, ou alors le dirigeant, aussi fort soit-il aujourd'hui, a besoin de s'adosser au peuple. Et si ce peuple n'est pas d'accord, ben, il va dégringoler. Et je voudrais dire, ça peut se faire dans le consentement général, ça peut se faire aussi dans la contrainte. C'est le peuple qui décide, il est souverain. Aucune loi n'est au-dessus de la souveraineté du peuple. C'est-à-dire les lois qu'on fabrique en un quart de tour de main, et tout ce qu'on veut, 83 députés ne sont pas déçus. 10 millions ou 11 millions d'âmes. Et cette âme, je l'ai souligné tantôt, peut se révéler à moment. Je cite souvent l'exemple de la sous-région ici, on va au Burkina Faso, eh ben, à 48 heures comparé, était à milieu d'imaginer ce qui allait se produire. Mais aujourd'hui, pour parler de ce qui s'annonce comme le verrou de taille, oui. Le parrainage, oui. Avec le débat qui fait rage, des voix qui s'élèvent dans le camp des proches du régime, vous avez suivi la deuxième personnalité de l'État, très proche du chef de l'État, pour ne pas dire le bras armé du chef, vous avez suivi un autre baron du régime. Quand tous parlent en termes d'ouverture, mais dans des styles différents, est-ce que cela n'augure pas d'une possibilité, une grande possibilité, pour de potentiels candidats ne parlant pas forcément le même langage que le pouvoir. Oui, mais je dirais ceci, peut-être qu'ils vont paraître à la limite incroyable. Mais qui nous dit que d'ici, au terme des 8 prochains mois, que ce système de parrainage puisse encore être maintenu tel que c'est? Rien. Et à écouter le ministre porte-parole qui... furieux de ce genre de déclaration. Il disait il y a à peine une semaine, je crois, quand il a été interpellé par rapport au système de parrainage, que le chef de l'État est un homme à l'écoute de son peuple, qu'il est ouvert et qu'à tout moment, lorsqu'il se rendra compte que ça ne va pas, il va y apporter des remèdes.
comme d'ailleurs ça a été le cas, on a vu. Et donc, c'est dire quoi ? Le pouvoir est conscient que tout ce qui a été fait dans la précipitation et dans la fébrilité commence par s'effriter. Même le système, enfin du moins le parrainage, pourrait s'effriter. Moi, je dis que ça pourrait s'effriter avant les 8 ou 7 prochains mois. Et donc, quand ça va s'effriter, autre chose viendra peut-être le remplacer. Moi, je ne suis... J'ai observé et la preuve. Est-ce que le pouvoir savait que au lendemain des communales, qui se retrouveraient confrontés à ce dilemme, au point d'être obligés de tordre le cou aux lois que lui-même il s'est mis à mettre en place. Et donc, je dis, tout peut arriver. À la forteresse, vous y voyez quelques fissures. La forteresse n'est que illusoire, de mon point de vue. La forteresse n'est que illusoire. Je reviendrai avec M. Harry Michoubadé, mais M. Eric Aguenon, une forteresse, mais il y a vraisemblablement quelques possibilités. Vous-même, vous parlez de dialogue. Je disais en studio qu'il y a déjà des caciques du régime qui en sont à donner de la voix autour d'un verrou, pas des moindres, la question du parrainage. Quand on prend ces prises de position actuelles, pensez-vous que l'homme aura beau jeu de lui déclarer dans les tout prochains jours sa candidature pour 2021? Bon, je dirais premièrement que quand vous avez en face de vous un bastion et que vous n'arrivez pas à entrer, il faut compter providentiellement et peut-être si vous avez la chance... aux querelles de couloir des gens qui sont à l'intérieur. Pourquoi je dis ça? Les deux blocs, tels que pensés, et ils disent souvent c'est un regroupement de 100 et quelques partis. Non, c'est un regroupement de clubs électoraux d'un ou de deux membres. Ils n'ont pas de fief, ils n'ont pas d'électorat. C'est des présidents de partis qui sont là. Donc, c'est des chefs. C'est un ensemble de barons qui sont ensemble et ils n'ont plus un fief dédié. Alors, dans ce cas, il peut y avoir des bruits de couloir, il peut y avoir des conflits à l'interne. Peut-être par là, il peut y avoir des réactions. Maintenant, l'autre chose, l'autre dimension, c'est que quoi? Le professeur Ayivor dont vous parlez, il a pion sur rue à l'international. À l'international, il connaît des gens, il a travaillé sur beaucoup de théâtres de guerre et il connaît un peu les conflits. Il peut faire le porte-à-porte à l'international. À l'intérieur, il peut bouger les lignes. Mais casser les verrous, ce serait difficile. Les verrous peuvent être cassés de l'intérieur. Pourquoi? Parce que en politique, Il ne faudrait jamais penser que les choses sont évidentes. Il n'y a rien d'évident en politique. Surtout qu'on est dans un contexte d'égocratie. Le concept d'égocratie, c'est un concept du philosophe français Claude Lefort qui montre à quel point l'homme, dans son égo, il prend toute la place. Et il tourne, et les lois et les manœuvres à son intérêt. Et c'est ça qui forme le bastion. Et puis, tout ça, ça a un coût. C'est un coût. Le coût politique aujourd'hui, c'est cher. Et quand de l'argent est en jeu, quand des intérêts sont en jeu, il est difficile que les rangs qui sont serrés se desserrent. Et donc, le travail du professeur Ayivor, lui-même, il a dit, c'est de retrouver la liberté, c'est de retrouver le respect des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, de l'extérieur, le regard qu'on a sur un pays de l'extérieur, c'est est-ce que le pays est démocratique? Est-ce que le pays est un pays de paix? Est-ce qu'il y a une sécurité juridique et morale dans le pays?
Est-ce que le pays est un pays de paix? Est-ce qu'il y a une sécurité juridique à l'intérieur? Monsieur Eric Aguenon, vous pensez qu'il peut surfer sur cette donnée-là? Je vais retourner vers monsieur Choubadé, qui a aussi beaucoup travaillé sur des thèmes comme ceux-là. Eric Aguenon, merci bien. Oui, monsieur Choubadé, depuis sa position et son regard d'analyste, monsieur Eric Aguenon pense que, alors là, monsieur Joël Aivor tire une ficelle importante. Manœuvrer à l'extérieur, ça peut valoir son pesant d'or. Que vaut aujourd'hui le Bénin démocratiquement? Que valent les questions de droits humains, de liberté? Ça va être suffisant? Oui, mais quand on rentre dans cette dimension-là, ce n'est plus le combat de Joël Aivor. Ah, ce n'est plus son combat. Non, mais quand on dit est-ce que le Bénin est un pays à paix? Non, le Bénin est plus qu'un pays en guerre. Quand vous voyez le nombre d'exilés, le nombre... Et puis vous avez vu en pleine rue ou des gens en uniforme qui tiraient sur la foule. On me dit que ce pays-là est un pays en paix. Donc c'est un facteur sur lequel il peut surfer? Non, mais ça, c'est plus le problème de... Quand on dit qu'il faut restaurer la démocratie, c'est plus le combat de Joël. Lui, bon, enfin, il surfe sur une opportunité. Ah, donc c'est une manne pour lui, qu'il va devoir... Non, parce que forcément, il y aura... vous savez, ça allait être extraordinaire que personne ne se déclare pour dire qu'il veut être candidat quand même en 2021 et que la terreur puisse avoir raison de tout le monde. Hein, et que même ceux que... Vous voulez dire que ce serait osé ou bien que c'est osé, la démarche que vous décrivez là? Oui, vous avez vu, il y a, en dehors même de Joël, il y a Komi qui régulièrement monte au créneau pour, quand bien même il a une condamnation de 20 ans qui lui traîne, qui pèse dans son casier judiciaire, qui le rend inéligible. Et pourtant, vous le voyez, et puis il ne peut même pas rentrer chez lui, on l'a dépossédé de cette de voyage du Bénin et tout ça là. Et malgré ça, vous le voyez très actif. Donc ça va être extraordinaire de penser que sur la place, même dans le camp présidentiel, hein, on parle souvent de Björn Tjallé, qui est présidentiable aussi, et qui est chef du parti d'un des blocs fabriqués, et qui pourrait demander aux élus de son camp de le parrainer, ce qui n'est pas exclu. Et donc, il peut avoir un schisme à l'intérieur. Et pour le combat de la libération, pour le combat de la démocratie, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le combat de Joël, puisqu'on a une échéance en 2021. Aujourd'hui, on compte les candidats, dont Joël Aivor. Mais ce n'est pas cela l'essentiel. Parce que même si on élisait Joël Aivor, ce n'est pas pour continuer à faire ce qui est en train d'être fait. Ceux qui sont à l'extérieur ont bien envie de rentrer. Ceux qu'on a condamnés à la va-vite, à la sauvette, dans des procès, avec tout ce qu'on sait. Suivi par exemple à Diamant qui a été condamné, mais dont la condamnation a été annulée par une juridiction internationale, mais que l'État du Bénin s'est comporté comme un État voyou, hein, dans le vrai terme du sens, qui, pour ne pas respecter cette décision, etc. C'est pas pour perpétuer ce système-là que... Arrive Chouvané, le Bénin a connu des militaires, des économistes, des banquiers, on peut dire aussi, des hommes d'affaires, pour regarder le cliché actuel. Un universitaire, comment entrevoyez-vous cela? Non, c'est pas... ça, vous parlez du poste du président de la République. Oui. Oui, oui, je reviens à une probable candidature, mais vous êtes... Vous voyez, Eric, il parlait de démocratie. Donc, pour moi, le chef de l'État, c'est juste un catalyseur. Ça devait être un système en place. Le profit ne comptera pas? Non, mais écoutez, je ne crois pas que c'est pas le chef de l'État qui règle tous les problèmes du Bénin. Il est le chef de l'État, bien entendu, mais ce n'est pas le seul acteur public. C'est pas comme aujourd'hui, on a réduit tous les acteurs publics aux humeurs du chef. Et non, chaque Béninois, là où il est, contribue d'une manière ou d'une autre au développement du pays. Donc, on doit beaucoup plus mettre l'accent sur l'aspect système que sur l'aspect individu. L'aspect système mieux que l'aspect individu. Donc, les chefs d'État, qu'ils soient militaires, qu'ils soient économistes, tout ce que vous voulez, on a vu les économistes, on a vu comment ils ont géré. Merci, monsieur Arrivé Choubadé, on va vers la fin, mais monsieur Chaspezo, le système, on s'est rendu compte que l'individu peut influencer le système. Alors aujourd'hui, faut-il voir que le système ou le profil comptera aussi? Non, le profil compte, évidemment, parce que lorsque vous avez l'étoffe d'un leader, vous engrangez beaucoup de points. C'est évident. Et lorsqu'on observe un peu, pour ce qui concerne d'abord Joël Aivor, quand on observe un peu,
C'est sorti, je ne voudrais pas dire sa candidature parce qu'il n'a pas, il s'est pas prononcé là-dessus. C'est sorti, mettre mal à l'aise certaines personnes, au point où déjà, il y a quelques mois, si vous aviez suivi, il était perçu comme la roue de secours d'un tel. Il y a quelques... Arim, il a souligné un peu en début d'émission. Il était perçu comme étant proche de l'USL. Et puis, voilà. Depuis quelques jours, précisément, on dit, ben, ça, c'est un coup de talon. On le dit juste parce qu'on veut affaiblir ses fans. Parce que là, il a suscité beaucoup de fans, déjà, autour de lui. Il y a de petites comme de grandes personnes qui ont commencé par y croire, bien qu'il n'ait pas encore déclaré finalement sa candidature. Et donc, le seul fait de descendre dans les arènes pose déjà problème. Monsieur Eric Aguenon, le système... et le profil d'homme, un lien à prendre désormais en compte au regard de l'expérience que le BDE est en train de faire progressivement. Oui, vous allez je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il ne faut plus une personne, il faut un groupe de personnes, il faut tout un système. Le professeur, je suis sûr que lui, de son côté, il va monter son système, c'est sûr. Et parce qu'aujourd'hui, une seule personne ne peut plus. Ils ont déjà brûlé l'échelle par laquelle des personnes individuelles arrivent. Il n'y a plus cette échelle-là. Donc, il y aura un système, c'est sûr. Mais les défis de ce système qu'il va mettre en place, ce n'est pas d'abord d'être candidat, à mon avis, non. C'est de restaurer l'état de droit, de restaurer la démocratie, de lutter pour les libertés, de lutter pour les droits de l'homme. De lutter pour que la parole se libère. Votre conclusion ? Et que les verrous de la peur se cassent, que les verrous de la peur cèdent. Mais si ce système qu'il met en place a seulement pour but de conquérir le pouvoir, il va échouer. Parce qu'il faut, dire quelque chose. Au Bénin, on ne vote pas pour quelqu'un, on vote contre quelqu'un. Merci à vous, monsieur Eric Aguenon. Le Bénin va devoir cesser avec cette démarche, voter contre l'autre, mais voter plutôt pour un système. Merci d'avoir été des nôtres, Eric Aguenon. Monsieur Choubadé, si vous devez conclure, que diriez-vous? Non, j'espère que Joël viendra ici pour conclure. C'est lui qui est concerné, c'est lui qui a choisi de faire ce qu'il fait. Ah oui, le plateau lui a ouvert. Quand on parle de déclaration de candidature, la loi détermine le moment où il faut se déclarer candidat. Mais pour le moment, politiquement, il est candidat. Et si quelqu'un attend encore une autre déclaration particulière pour savoir qu'il est dans la course, il est dans la course. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes réunis sur ce plateau ce matin. Et donc, au moment venu, il fera la déclaration de candidature s'il arrive à remplir les conditions. Ok. Merci à vous, Arémi Choubadé, oui, Jos Pézouanango. Pour conclure, vous direz ? Je me dis, il y a Joël aujourd'hui, il y aura sûrement quelqu'un d'autre demain, et cela me fonde à dire que cela risque d'être... ça va faire bouger les choses. Et ce qui me fonde à dire, surtout que les lignes vont bouger, le système de parrainage va aussi bouger. Parce qu'il n'y aura pas que Joël, il y aura encore beaucoup d'autres. Et donc, ce n'est que le début. Et il y a fort à parier que ça va se corser les jours à venir. Ça va se corser dans les jours à venir, mais on l'espère positivement. Merci à vous, Jos Pézouanango. Merci à vous, Arémi Choubadé, M. Eric Aguenon. Merci pour la contribution. On espère vous retrouver incessamment pour un autre plateau, toujours avec le même entrain. 100% Bénin, mesdames, messieurs, ce sera tout pour le plateau du jour. Je vous fausse compagnie sur cette citation de la célèbre moniale bouddhiste Pema Chodron. Elle dit ceci en présence d'une grande déception. Nous ne savons pas si c'est la fin de l'histoire douloureuse. Mais ce qui est plus que certain, c'est peut-être précisément le début d'une grande aventure. Des surprises de la vie, aucune hypothèse n'est donc à écarter. Merci d'être des nôtres et à très bientôt.